Comme tout système totalitaire bâti sur les équilibres d'improbables clans et la terreur, le pouvoir militaire algérien est en train de pousser tout le peuple vers le chat d'une aiguille. Sans perspective de changement sérieux, les Algériens nourrissent le désespoir et une colère contenue. Pendant qu'à l'intérieur du système, les clans fourbissent leurs armes, l'Algérie étouffe et souffle le martyr. En silence. Quelle différence finalement entre un Bouteflika affone, immobile et un téboum qui déblatèrent sur les prisonniers politiques et les journalistes aucune. Tous les deux ont transformé les médias publics et parapublics en des outils de propagande exclusivement à leur service. Il y a un abyssal décalage entre le peuple et ceux qui tiennent le pays d'une main de fer. Tebboune et ses mentors sont perchés loin des aspirations de la jeunesse. Cela tout le monde le sait. Et il n'y a rien des préoccupations des Algériens qui ne les intéressent. Seul leur maintien au pouvoir demeure leurs alpha et oméga. Théboune comme le général Changria ne voit pas plus loin que les deux à trois ans qui arrivent. Tenir le pays d'une main de fer, empêcher les autres de leur barrer le chemin pour sauver leur devenir. Réprimer, faire taire la colère du peuple.